Congo Dialogue.com. Congo Masolo. Congo Solo .com. Kitoko, Kitoko. Bobby Ronaldino, le King is back. Bolandara Mingi Mingi. Congo Dialogue. Congo Dialogue. Francine Ngembe, mission à Congo Dialogue. Voilà. Bon après-midi. Nabino Nyosoba Namboka. Bonjour, Amjambo. Une réplique à la sortie médiatique de notre compatriote, je pense qu'il est notre compatriote, Michel Boamy. Son adresse était en swahili et je vais lui adresser cette réplique en swahili. Après, je prendrai quelques minutes pour parler en français sur ce qui d'aucuns ne cessent d'appeler la loi ou la proposition Noël Tchani. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas la langue swahili, je demande votre indulgence, mais toutefois, faites un effort de comprendre et de parler cette langue de votre pays. Parce que moi, je ne suis pas un Mungala, mais je parle le Lingala, le Kikongo, et du Chuluba. Donc, je fais un effort et je demande que tout le monde aussi puisse maîtriser quelques langues du pays, pas toutes en fait, quelques langues du pays. Alors, et voilà, Michel Boamy. Amjambo, na aksanti kwa usemi wako, wenye nimefata, kati ya televisheni. Mwana, inafaa kufanyaka angalisho kama unasema, usijikontredire très souvent, bien que la contradiction inaweza kuwa pale. Unasema vizuri, kisha unajaribisha tena. Mais d'entrée de jeu, unajirapele bwana nani Michel Boamy. Kuko miaka chache tulikuona moba video hivi. Uko na défendre ba étranger. Batutsi le Hutu na kazalika. Tupo na ile video, ne pense pas que tulifaa kusahau, tuko na hiyo se conserver. Uko na jita uko leader d'opinion, je ne sais pas comment nani alikunome. Quoi le grade, il est titre qu'on a eu leader d'opinion, c'est tout le monde qui est leader d'opinion. Bah tu as religion, n'importe qui vient à la télévision, il est leader d'opinion. Bon, soit, on a même beaucoup. Mais juste qu'est-ce que qu'on a encore appelé, tout qu'on a une vidéo à quoi qu'on y ouais, où qu'on a défendre, bah gagne, bah doui, donnez pas le cuir, qu'on doit occuper les envahisseurs. Tout qu'on a, audio tout comme vidéo. Na leo, unatoka na usemi mpe mzuri. Lakini kati ya usemi yako, kuko sukali, chumvi na pilipili. Pilipili ni nini? E bwana, unasema vizuri gisi, kuko unasema sisi, baswahili, tujiunge mkono, tujimobilize, kwa ginsi tu defendre kontre yetu, a partir ya Kisangani mpaka Kivu yote, je dis bien Kivu yote. Et il a amené des statistiques que nous sommes 65 ou 68% de la population linguistique au pays, donc comme la Kamata, province orientale, qui n'a jamais eu vraiment un véritable nom, il n'a pas jamais donné province orientale jina ya kweli, tel que Kivu, tel que Katanga, etc. Il n'a pas jamais batoka Kisangani, batoka province orientale, bapane jina ya kweli, qui signifie dans une de leurs langues. L'oriental, l'orient signifie quoi? Kunani kuluga yabo. Donc, on a kamata province orientale, Kivu, Katanga yote, na Kasai Mbili. Donc, ça fait 5 provinces. Yenye iko nasema
lugha ya Kiswahili. Ni kweli kama tuko majority. Unafanya mzuri. Lakini hapa, siweza kusema mambo ya Katanga paske la majority de Katanga sont des traîtres. Bonjo baliingiza traîtrise ngambo yabo. Bonjo balidone jina kwa Kanambe. Bonjo manasema sewe Kanambe ni mtoto yabo. Bona kamata pia ule kama Zoe. Asema ni mtoto yabo. Ni bo. Alo, sita kamata bo. Mina kamata jimbo ya Oriental na jimbo shie watoto wa Kivu. Ebona, hii mpako, hii shauri wanasema shauri chani. Haiko mbaya. Na haiko chani njo mwenye alianja ile lua. Ile lua iko pale tangu zamani, tangu Kongo iko Kongo apartia independence. Tangu wakati ya Mobutu ilikuwa pale. Wakati ya wauni wanakuya ku Sun City kwa Afrika Kusini. Ils ont essayé de modifier ile mpango. Me iko mo ile constitution ya bunye tunaita charte d'occupation. Usome ayo iko pale. Donc, ubona chani haiku mtu wa kwanza wa kusema hii mambo hii. Na kama nye wote munawaza kama hii ni mtu wa kwanza wa kusema wa sasnifike amusomake na amusiki yake. Na wale watu tunaita wa depite na wa senateur awasomake na wasikia kitu. Or, bada somaka ayo, me hii ifon lipokrizi paske ni watafuta kazi. Me, la loi, ce qu'on veut appeler la loi, la suggestion, la proposition chani, ilikuwa pale tangu zamani. Mie se supporte bwana Félix Tshilombo, non plus, si mu supporte na si mu pende. Ye anakuja, anakuta ile loi pale. Ce n'est pas lui qui a commencé ça. Peut-être il veut profiter de l'occasion, de l'opportunité, parce que anapenda aendelee kuwa président wa nchi yetu. Et la loi, qui a toujours été là-bas, en veilleuse, en état latent, wanta kulamusha yo. Mais, comme nasema, ilikuwa pale tangu zamani. Moi, je soutiens ça. Et malheureusement, on est vizuri. Comme on a angala ba video yangu ya zamani sana. Nalisema ka imambo tangu zamani. Nalisema ka yo. Na siweza kusema se, je suis le seul à voir de ça. Parce que kisimu nasema, ile maandisho o maandikio ilikuwa pale mwele kitabu tunaita constitution tangu zamani. Nous ne devons que soutenir ça. Que ça aide Félix kwa kisi aendeleye ou pas. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais il est loi, il faut parler de soutenir, il est loi. À ce qui concerne Yebwana Félix, tu n'as joué comme c'est un traître. Tu n'as pas le choix de me combattre. On doit le combattre même pour moi. Alafu wewe unafika unatoka ku televisheni wewe unasema no iko nataka kueliminate ba candidat mwingine kisha unataja jina ya watu tele ke Moise Katumbi Kamere na kadhalika bwana fungua macho na akili yako tangu Kamere iko pale kule gouvernement tangu alianjia a partir wakati kunatumika ku regime ya Mobutu mpaka anakuwa president wa nani wa parlement anakuwa ministre anakuwa nani directeur de cabinet nani ya huyu bwana huyu Felix alisha kufanyia nini we mswahili saa yeye na we mtoka Kivu eske wona sawa kama Kamera haiko mkongomani. Anasema natokea Ngweshe ni uongo. Anasema iko Mushi ni uongo. Hakuna hata mshu mwa jina yake kwa Kamera. Si biografia yake yote inaandikiwa na iko inaonekana popote. Gisi baba yake aliingia, gisi anakuwa kwa Kadeza, gisi amefika mpaka Kikwit. Si yote kwa yote natandikiwa pale.
il n'y a que toi et certains flatteurs qui veulent défendre Kamere. Mais Kamere est comme Gongomani. Si Bwana Nawaza Jina Kenani, Mukulumanya, je ne sais pas si c'est Mukulumanya, Ndugueto wa IDPS, le peuple. Mais si tu as mis à vue du yote, que y a les petits chats, muda wa miaka mbili ku Rwanda patron wake wa zamani alimtumaka kule wagese aende kukala etimu sekere kwa gese aende kukala kule kwa Rwanda na kafaa kugundua kama Kamere jamii yake ni kaka Rwanda alafu wewe uko na kwiko unasema no niko na mwekarte ndugu yetu mswahili Kamere. Kamere anakufanyaka nini na alikufanyaka nini? Aya jengaka hata masomo. Aya jengaka hata kompani mwea kwetu kukivu. Atukatali si ilete nom d'affaire. One refuse pa kilo resi laba. Me ukweli ni kama aiko mkongomani. C'est un traître, c'est un voleur. On ne fait pas les cartes. C'est un voleur. Bile. Moïse Katumbi. Sula lua se Moïse Katumbi. Mama na baba awapo wa kongomani ti souffre de quel complexe parce que kuna muona na rangi ya mzungu ti souffre de complexe colonial. Est-ce que unasahau kama Moïse Katumbi ni muuaji wa watu, ni mwizi, ndugu yake mwingine mwenye kumilatre saa yeye mwenye nikala pale kukatanga metre kama nani jina yake sina toka kutosha fasikili mwa kwenye anadetaye mambo yake ya mbaya enye anafanyaka. Meme mbele ya ile. Apareko lifaa kutosha vitu mingi juu ya Moïse Katumbi. Na watoka Katanga yote wanajua mambo yake ya mbaya enye anafanyaka. Surtout ya bwizi. Ni mwizi. Ni muaji. Koma tu va dire que Félix iko na écarté baswahili banani woyi suku muswahili lieu d'être un au lieu de dire leader d'opinion mais qu'est-ce qui t'empêche d'être candidat à la présidence kama uko na pesa mimi uko naona pamia ndugu yako ni pesa nyo nakosa kwa kisi mimi ndio kulipa nani c'est qu'on paye pour déposer candidature mimi niko capable. Na ingekuwa niko na ile pesa, ningekwambia wewe ufanye mobilisation watu yote banichague mie niko president. Parce que mimi ni mkongomani, mie ni mtoka Shabunda, mie ni mulega, ni mtoka Shabunda baba mama ni balega. Est-ce que Kamere iko mtoka Bukavu, mtoka Kivu? Est-ce que Moïse iko mtoka Katanga? Mimi fa uwe na haya. Asa ki concerne vote huko nasema no mu 2023 hatuna lazima na uchaguzi ukongo tuko na lazima keshe wote tuwe na esprit ya bamaimai esprit ya kupigana kuwinda wale wauaji uwezi wasema uongo watuti na wautu na wale wakomplisi wao wote sociale c'est ce qui doit être notre agenda notre projet ce n'est pas viser 2023 pour faire quoi? Qui a besoin des élections? Mais il n'a quoi marangapi ou chagouzi qu'on a pisé à Kwetu, ça ne profite à rien. Tu voudrais devenir peut-être commissaire du peuple, député comme tout le monde. Quoi qu'ils ont battu dans le jeep ou bien au point de salaire. C'est ça la traîtrise qu'on a toqué à Kwetu. Ce que nous devons faire, Guy, si vous coulez, tu n'as pas le choix qu'on a couinda pour dénoncer. Ou en tout cas, qui vous, qui sont des traîtres, qui sont des corrompus, qui font que le Kivu soit là où il est. Mais d'abord, je dois applaudir le Kivusien que nous avons tenu depuis que le Congo est Congo. Nous avons tenu. Et un homme comme toi, nous devons aussi t'abattre parce que tu voudrais chercher à défendre l'indéfendable. Et mon ami Dogo, où est-ce que tu es? Fungua kili, fungua macho yako. Hein? Jimbo Letu, c'est en danger. Toi, tu vas défendre un Kamere. Kamere, c'est qui?
Kambere, c'est qui? C'est parce qu'il te dit qu'il est devenu docteur, je ne sais pas, en économie. Il y a Nini. Ah, on dit la femme qui va diriger la situation au pays. Il a un diplôme, tout qu'on a eu. Ça change quoi? Quand on manque amour à Inti, quand on manque le patriotisme, quand on manque l'honnêteté, la loyauté, la constance. Na way, on a quoi, c'est la constance? On va diriger la vitendo du jour au lendemain. Et voilà. On est en galère mieux, peut-être on est joué, on est en galère léo mieux. Tango na lianjaka imambo yi. Si ya badirishaka vitendo vyangu. C'est ça la constance. Il faut éviter la flatterie. Il faut éviter le mensonge. Ne soutenez pas de fausses valeurs, de valeurs négatives, comme on le dit, comme une machine. Il faut éviter d'être un vulgaire leader d'opinion. En continuant à parler comme ça, mais tu verses dans la vulgarité, tu es un vulgaire. Djimbole, tu es condamné et toi tu parles de Moïse Katumbi. C'est que Moïse Katumbi a fait du Katanga. C'est à détruire Djimbole de Katanga. Toi tu penses que quand la justice est en train d'accuser ta mère, la justice c'est complet? C'est bon. Actuellement. Watch ayo na watch ayo. Et pour les Congolais, cessez de flatter et de défendre Moïse Katumbi. Ne dépensez pas votre énergie pour rien. Ce que vous êtes en train d'appeler la loi Tchani ou la proposition, la suggestion Tchani a été là depuis longtemps. On vous l'a dit depuis longtemps. Tchani ne fait que réveiller la mémoire dormante ou la mémoire enivrée par l'esprit de flatterie, de traîtrise, de mensonge et de l'antipatriotisme. Tout le monde passe à la télévision. Il devient analyste politique. Laissez Soriano Dagnano dépenser tout son argent au travers des journalistes qui le défendent sur chaque site. Où est le mal avec cette loi? Si loi existe, où est le mal? Mais tous les pays les font. Moi, je ne soutiens pas Félix Tshilombo. Mais on doit soutenir les bons points, les bonnes et les belles lois. Félix, si c'est lui qui a poussé son frère à les faire, mais il ne fait rien de mal. Il ne fait rien de mal. C'est ce que les députés et les sénateurs devaient faire pour protéger la souveraineté de notre pays. C'est partout. Alors, votre Moïse voudrait commencer la rébellion comme Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire? Ça ne va pas passer chez nous. Et M. Félix, toi qui prônes et qui parles de l'état des droits. Mais comme je te l'ai dit la fois passée, mais toutes les preuves sont là pour que la justice puisse appréhender M. Soriano. Tout est là, tout est détaillé. Tout ce qu'on venait, Muyambo venait de dénoncer. Mais ça ne s'ajoute qu'à ce que la Pareco a dit, à ce que tout le monde a dit sur cet argument de Moïse. Qu'attend la justice pour sauter sur lui, l'appréhender? Ça ne sera pas une vendetta, ce n'est que normal parce que toutes les preuves sont données que ce type, c'est un criminel économique, c'est un criminel, et il veut violer la Constitution. Où est-ce qu'il était, lui? Et ce défenseur, quand cette loi, soi-disant loi, était là depuis longtemps. N'est-ce pas qu'il a été gouverneur alors que cette constitution était là, et dans cette constitution, la loi qu'évoque Noël Tchani était là. Cette constitution a fait de lui un gouverneur. Pourquoi à l'époque où il était gouverneur, il ne disait pas le contraire? Pourquoi? Et alors, Félix, tu attends quoi? Mais appréhende ce type, si ce n'est pas toi, pour ne pas t'immiscer dans la justice. Mais que la justice saute sur lui parce que c'est un criminel et qu'on s'en débarrasse. Les gens passent du temps
devant les écrans, en train de défendre ceci et cela. Ça prouve que nous sommes faibles, nous sommes corrompus, nous sommes des antipatriotes, nous sommes des gens qui n'avons aucune vision. Mais nous devons avoir cette vision. C'est moi, VIP, Jomadar et VIP Kilkilele, pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Kimbangu, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui résistent contre l'oppression, l'occupation, afin de refonder la nation. Congo Dialogue.com. Congo Masolo. Congo Solo là.com. Kitoko. Ronaldino, le King is back. Bolandara Mingi Mingi. Congo Dialogue. Congo Dialogue. Francine Ngembe, mission à Congo Dialogue.